faut des compétences particulières pour l'entrepreneuriat finalement, ou est-ce qu'on peut se lancer comme ça? Je pense oui, il faut être organisé. C'est important puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont une passion, qui ont quelque chose à proposer, mais faute d'organisation, notamment je pense aux personnes qui ouvrent un restaurant par exemple, il faut voilà, pouvoir gérer des personnes aussi, des employés, puisque l'entreprise peut être petite, mais je pense que si elle grandit, il faut employer des personnes, donc oui, avoir une certaine capacité de gestion. C'est ça, je pense que pour entreprendre, il faut des qualités d'organisation un peu particulières et que moi personnellement, je n'ai pas encore. Et là, dans l'idée, j'ai pas pour projet d'entreprendre. Enfin, je pense que je pourrais réfléchir à entreprendre quand j'aurais commencé à ranger ma chambre, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Vouloir. En lagnac. Ouais. Mais. Ah, pardon. Je disais, faut avoir l'idée de ce qu'on veut faire et savoir si c'est possible de le réaliser ou non aussi. Parce que des fois, on peut avoir des idées, mais on peut se rendre compte qu'avec le temps ou même les dépenses que ça demande, on peut pas forcément le faire. Donc, faut être sûr de ce qu'on veut faire et savoir si on a les moyens aussi de le faire du coup. L'imagination, je suppose. La volonté et savoir bien s'entourer. Je pense qu'il faut un peu, pas toucher à tout, mais avoir connaissance du milieu professionnel avant de se lancer dans quelque chose. Si on n'a aucune connaissance, qu'on sort directement, je sais pas moi, du lycée ou quoi, on pourra pas savoir comment ça fonctionne en fait, au niveau d'une entreprise. Ouais, faut avoir soit une aide extérieure, soit nous-mêmes s'intéresser à l'entreprise et comment ça fonctionne. Alors que tout seul dans le... actuellement c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais ça peut aussi marcher, mais c'est peut-être pas le meilleur moyen quoi.